Thank you.
l'étranglait. Et quand tu lui as poussé, elle n'aura la tête. Ah oui, alors. Thank you.
Bière Sanguin gagne 3 bouteilles de blanquette. Le numéro 3381 gagne également 3 bouteilles de blanquette. Prière de les retirer à la buvette, côté tribune. Ah, l'arbitre est mal jugé là, hein. Non, non, c'est clair qu'elle a mal. Oui, mais parce que c'est compliqué, mais c'est
À Perpignan, sa virée sec hier après-midi. 35e minute, M. Mascardo dehors. Chabert, le Chaurien, dehors aussi. Deux minutes plus tard, Santamans, le troisième ligne de Castelnaudary, dehors. Et enfin, 58e minute, Texidor, le capitaine catalan, dehors. Est-ce que vous avez vu une agression d'un joueur sur un autre? Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu une agression, j'ai vu un tirage de maillot, un petit coup de poing. C'est vrai, c'était un peu houleux, c'était un peu... Et après les expulsions, qu'est-ce qu'il y a eu? Je n'ai vraiment rien vu. Et je ne peux notifier que le début de partie tendu et évidemment les expulsions. Pour notre part, nous notifierons à la 15e minute sur cette touche un départ de Vincent Mascardo en force. Ça fait mouche, 4 à 3 pour fuir, Calvet ayant sur pénalité ouvert la marque. Les Chauriens avec le vent investissent le camp et Larger botte le drop, 6 à 4 pour Castelnaudary. Mais deux minutes avant la pause sur cette mêlée, Texidor s'enfonce côté fermé dans la défense audoise et marque le deuxième essai de son équipe. Viret transforme, 10 à 6 à la mi-temps. Jean-François Imbernon croit de plus en plus à la qualification, mais il se trompe. Avec le vent, les Catalans vont perdre de leur sérénité, sauf sur cette action amenée par Forcadell et conclue par l'ailier Villalongue. Viret transforme. 16 à 6, il suffit de 3 points aux Catalans pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs. À l'ultime minute, les 6000 spectateurs croiront au succès des Verts. Mêlée, introduction, Forcadell. Casamigiana, Forcadell botte à suivre, Villalongue aplati, mais M. Bisbeau a jugé qu'il était parti hors jeu et refuse l'essai. C'est terminé, Castelnaudary vainqueur 19 à 6 à l'aller, se qualifie pour l'écart. Je regrette au niveau de Tuir qui n'arrive pas à se mettre dans la tête que le rugby c'est autre chose. Et s'il se mettait cela dans la tête, eh bien sûrement il pourrait nous montrer notre dimension. Mais enfin, tant pis pour eux, hein. Je crois que dans la vie il faut être intelligent et peut-être que les gars sur le terrain ne l'ont pas trop été aujourd'hui. Ça a été une après-midi très difficile, surtout pour toute l'équipe.
peut-être j'étais plus particulièrement visé. J'ai peut-être pas que des amis à Tuir, ça fait très longtemps que nous jouons les uns contre les autres. Voilà, peut-être. Est-ce que vous n'avez pas perdu les pédales, peut-être, à un moment donné, quand vous étiez, vous jouiez à 14 contre 13? C'est qu'on n'a pas perdu les pédales, c'est quelqu'un qui a perdu les pédales, c'est M. Bibos, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est quelqu'un qui a perdu les pédales, c'est lui. Bon, lui. Erreur humaine. Qu'est-ce que vous pensez de Castelnaudary qui dit qu'eux, ils jouent intelligemment et vous, peut-être pas trop? Je pense qu'ils sont un peu présomptueux et un peu imbus de leur personne. Bon, et ils ont gagné aujourd'hui, tant mieux pour eux. J'espère pour eux qu'ils iront très loin dans le championnat et j'espère pour eux qu'ils monteront en groupe A. Ensemble, c'était un match de rugby à 13.